As-tu remarqué que quand on est sur l'eau, il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous autres, qu'on devient comme en harmonie avec la nature? Il y a quoi qui se passe, qu'on devient comme plus zen? Tu sais, la zénitude de l'eau, je ne sais pas, c'est peut-être le... Je sais pas, peut-être parce qu'on est né dans le ventre de notre mère et qu'on se faisait bercer quand on était petit, mais je veux dire, on se sent comme... Oh, on décompresse. Puis tout à coup, là, les émotions, là, tu fais comme... Oh, enfin, c'est comme toute la pression tombe en fait. Wow! Hey, la madame est frippée. Hey, j'ai dormi comme une bûche, là. Tu m'as donné le petit patch hier pour le mal de mer, là. Ouais. Tabarouette, ça assomme. Ouais, c'est un peu des petits effets secondaires. T'es encore endormi, là. Bon, au moins, t'as pas été malade, c'est cool. Non, t'sais. Une chance, ouais. T'as l'air d'avoir besoin d'un super café, toi. Je suis rendu là, dans ma journée. Hey, Marie, veux-tu faire un autre café pour Sarah, s'il te plaît? Ah, je pense qu'elle en a besoin. Attends ma puce. Oh. Okay. Hey, le café. Hein? Oh, merci Mali, c'est vraiment gentil. Hey, on savoure le petit café, ma femme. Oh, ouais. Attends, salut. Tiens nos cafés. Hey, bon matin. Hein? Bon matin, capitaine. Oh. Mm. Ah, ouais. Hey, alors, c'est une super journée. Je veux pas te stresser, tu viens de te lever, là. Ah, non, c'est correct, c'est correct. Ça sera le fun qu'on planifie notre journée. Ben écoute, moi c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on reçoit un de mes chums, Éric Goulet. Je sais pas si tu connais. Ouais, salut, tu m'as parlé de musicien. Un gars de rock, un gars d'expérience, surtout. C'est un gars qui tape sa trail depuis vraiment longtemps. Genre, quand je dis vraiment longtemps, c'était comme pas loin de quand je suis née, là, tu sais. Là. Puis, non, mais en voulant dire qu'il y a bien de l'expérience en arrière de la cravate, puis ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on va pouvoir jaser de tout ça. Puis il mène deux styles en parallèle. Il y a un band de rock, puis il fait des albums country en même temps. Puis ce printemps, il m'a demandé, il a écrit une toune en duo, puis il m'a demandé de la chanter avec lui. Moi, ma surprise est un peu spéciale. Je t'amène à pêche à morue. Non. Oh oui. Oh! Mon chum, Yohan Tremblay, il a une entreprise pour aller voir les baleines, puis une entreprise de pêche. Ça s'appelle Tadoussac Autrement. Puis on va aller dans un gros Zodiac avec un 150 force. T'aimes ça, un moteur à gaz? Tu vas en avoir tout un moteur à gaz, un 150 force. J'aime les petits moteurs. Ah, mais là, il va savoir aider, là, c'est vrai. Si on pogne de quoi, on a un souper à soir. Yes. Sinon, ben, je sais pas, on va peut-être faire du rhum, on va se manger des bines ou on va aller au resto. Ça va pogner, mais on peut boire du rhum quand même. Ouais. OK, je m'entends. On est avec Yohan Tremblay à Tadoussac. Je te le présente. Enchanté, tu vas pouvoir aller voir Yohan en arrière. C'est lui, Tadoussac autrement, un personnage de Tadoussac. Son père a l'auberge. Eux, ils sont les seuls à pouvoir aller faire des croisières privées aux baleines. Il y a un autre Zodiac fermé où le monde peut aller voir les baleines à chaleur, en t-shirt. Le monde capote parce qu'ils ne se font pas arroser. Ouais, ouais, ouais. Nous autres, ils sont pas habillés comme moi, là. Non, non, là, ça va à peine. Mais moi, je t'ai dit ça aujourd'hui parce que j'ai voulu te faire une joke. Ah! Capitaine! Hein? Elle est belle en jaune, hein? Allez, là! Ça te va vraiment bien. Ouais, hein? Tu reviens pas avec nous autres! Je te l'annonce! Hey, Yohan, c'est vraiment un plaisir d'être là. C'est vraiment cool, là. Attends, il va t'amener dans des super spots. Vraiment, là, tu vas... Je suis vraiment contente parce que j'ai tout le temps voulu pouvoir aller pêcher. Ça n'a jamais à donner, tu sais, à part dans des lacs, là. Okay. Fait que là, ça va être un autre... Ça va être vraiment un autre angle, un autre aspect. Et toi, tu viens d'où? Moi, je viens de Dolbeau-Mistassini au lac Saint-Jean. Yes! Une vraie fille de Dolbeau. Parce que les cannes à pêche sont beaucoup plus grosses. Sont beaucoup plus grosses que qu'est-ce que moi, je connais, là. Une fille qui marche au gaz. Fait qu'on a le gaz et le vent et l'eau. Regardez la barre de courant, là. Regardez la rencontre des deux courants. Là, hein? Ah, change ça, Yohan!
va chercher le souper pour Eric. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ah, j'espère qu'on va avoir un bon souper. Parce que sinon, on va mettre juste des cannes de vin qui doit. Ça va faire. Hey, j'espère tellement qu'on va l'empoigner, là! Donc, on va te préparer ça! C'est qui, la chanceuse? Me! Hein? OK, on drop! Yes! Tu me laisses dérouler ça jusqu'en bas. Living the life! Est-ce que tu sers que t'es au fond? Je pense que c'est bon, ça. Ouais. C'est un petit jig qu'on appelle. Des grands gestes lents. Gracieux. Exactement comme ça. Et moi, je sais que je suis chanceuse. T'es chanceuse. T'es avec Johan Tremblay. C'est terrible. Tu serais les dessus. Ben, je le rêve. Ben oui. Du sac. Écoute, avec Johan Tremblay. Puis le capitaine. Puis La vie, es-tu belle? Ah, moi, des fois, je me dis, là, quand je suis à jour de même, là, c'est dur, la vie. C'est dur, là. C'est dur. Je me suis peut-être fait dire que quand on ne t'en parle, il ne fallait pas parler. Ben là, ils sont creux en maudit, m'a dit. Oui! Ils t'entendront pas! T'as quelque chose. Oh! Ah oui. Ah oui, ça, oui, ça s'en est un, par exemple. Ouais. Vas-y, donne un coup. Ça a-tu bougé encore? Oh, oui. Oh, regarde, t'as ça lui donne des coups, là. On va monter tranquillement? Ouais. Eh, ouais. Maurice, ça a-tu des épines comme André, ou... Non, mais un crapaud de mer, oui, là. On va voir quelle bébite que tu vas nous sortir, là. Doucement. Ah ouais. Oh! Un ouais, tout petit, un tout petit. Hey, regarde-la, il va falloir la remettre à l'eau. Elle n'est pas dedans, ça va, non? Hey, hein? Un bisou, allô? Un bisou! Un bisou! Bye-bye! Ah ouais. Bye-bye! Wouh! À dans 5 ans! Ah ouais. Bye-bye! À dans 5 ans! On va revenir! Ce n'est qu'un rendez-vous! J'espère juste au revoir, là, un jour! Johan! Yes! On a fait une super journée de pêche. Merci. Un gros merci, Johan. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, ça vient du cœur, ça. Vraiment. Ben, la grande visite! Éric Goulet qui est là! Ça va? Ça va, ben oui, toi? Yes! Je te montre, Capitaine Thomas. Ça me fait vraiment plaisir. Enfin, je te rencontre! On est allé dans le fjord. Ouais, on arrive de la pêche. Pour aller pêcher. Ouais, ben on était supposé te faire un souper, mais là tu vas manger une canne de bine. Ça a l'air, c'est bon. J'adore les bines. C'est la tourtière à clair. On a rencontré une petite morue comme ça, mais on lui a donné rendez-vous dans 5 ans. Mais je suis quand même la seule qui a pêché un poisson. Ouais, ça me surprend même pas. Là, j'ai hâte, de, vraiment, j'ai hâte de vous entendre. Elle m'a dit que vous allez faire une tournée ensemble. Ouais, ouais, ouais. Ah. J'aime bien ça. Moi, j'ai hâte d'embarquer. Allez-y, allez-y, je vous rejoins. Ouais, allez-y. Fais attention, on marche, c'est tout ça. Ouais, c'est beau. Hey, bienvenue à bord. Merci.
Éric Goulet, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. De recevoir un cowboy sur l'eau. Cowboy sur l'eau. Ouais. C'est vrai parce qu'on parlait souvent que moi j'étais plus une fille de terre, puis capitaine est un homme du vent et d'eau. Tu te considères-tu comme plus un gars de terre, un gars d'eau? Ben j'aime beaucoup la forêt. Ouais. Mais c'est ça que je sais, je mentirais si je dis que je suis pas un gars de la ville. T'sais, j'ai grandi en ville pas mal. Puis parlant de toute la ville, ce que j'aimerais, oui, ça n'a pas de bon sens, on peut-tu juste regarder? On peut pas faire autrement. On a deux belugas, je sais. Je pense qu'ils aiment le country. Peut-être ça, hein? Hey, ça, c'est le fun, tu t'en viens. Je pense que le capitaine les a appelés. T'as un spectacle alentour de toi, là. C'est cool, là. Pour moi, quand je pense à toi, le premier mot qui me vient en tête, c'est expérience. T'es un homme polyvalent, t'as fait de la réalisation, de la coécriture, tu fais tes propres trucs à toi. T'es là depuis des années, t'en as vu une puis une autre là, arriver. C'est un peu de l'artisanat. Là. Ça a toujours été ça quand on commence. Côté des tours. De plus en plus, les moyens ont augmenté. Mais je veux dire, pour moi, ça reste le même travail. Ça me fait beaucoup réfléchir ce que tu me dis, parce que on vit aussi à l'époque des vedettes spontanées, des feux de paille à Mais les anciens artistes, là, il partait, il allait travailler comme mécanicien, il était chaudronnier, il était soudeur, puis il n'était pas capable de s'empêcher de jouer. Il allait jammer le soir, il partait, il faisait des centaines de kilomètres. La musique les a toujours habités. La musique est en eux, il n'y a rien à faire. C'est ça. C'est là. Tu peux sortir un gars de la musique, mais tu ne peux pas sortir la musique d'un gars. On a vraiment hâte de t'entendre chanter sur le bateau parce qu'il se passe de quoi de spécial sur ce bateau-là. L'océan t'appelle et tu cours vers lui. L'océan veut te perdre. C'est ce que tu voulais aussi. L'océan est mon frère. Nous sommes étrangers. Ces désirs de grandeur sont plus petits que toutes mes peurs. Et tu cours vers lui comme si le monde t'avait oublié. Et tu cours vers lui même si l'océan t'appelle et tu te fonds en lui. L'océan veut ta perte et ici. L'océan est ta mère. Quand on est étranger, tes larmes de toutes les couleurs sont bien plus belles que le noir de mon cœur. Et tu cours vers lui comme si le monde t'appelait. Tu voulais aussi. L'océan et la terre sont de vieux étrangers qui se nourrissent à même les pleurs que les amoureux versent en cœur. Et tu cours vers
comme si le monde t'avait oublié. Et tu cours vers lui, même si l'amour que tu veux est juste ici. Tu cours vers lui, comme si le monde t'avait oublié. Et tu cours vers lui, même si l'amour que tu veux est juste ici. Matelot, Moussaillon, hey, capitaine, hey. Le vent ouvert. Éric, Sarah, Mali et ma fille. Oui, merci. J'en ai un super lunch qui nous attend. Ça, là. En direct du Gibard. Je te l'ai dit, c'est une place mythique dans le bout, là. Ouais. Allô. Allô. Wow. Hey. Wow. Hey, merci. Merci, merci. Merci beaucoup, les filles. On va se bourrer la face. Hey, encore une fois, oui. Cheers. Cheers. Cheers, bon appétit. À la vôtre. Okay. Mangiare. C'est le party. Hey. Hey, on va à tout! Il y a un décor ouais. Mal plus difficile que ça dans le vide. Hein? Mm-hmm. On a failli manger des dames de mine. On est mangé demain matin. Tant mieux, je serai pas là. Ben, là, à soir, vous allez me faire un petit duo. En plus, en plus. C'est un beau retour après tous les derniers mois de pouvoir se retrouver en petit groupe. C'est vrai, hein? Fait qu'on a quand même eu la chance de réaliser un de mes rêves, sans savoir de chanter et jouer de la guitare sur le toit d'un voilier. Ah ouais? En face de Tadoussac. Pour le vrai, je sais pas, mais ça. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Non, non. Mais t'aimais ça, jouer sur le pont? J'ai adoré ça. C'était vraiment une belle expérience. Puis évidemment, avec le public des Bélouglas autour, c'était quand même touchant. Inspirant, ouais, ouais. Tu le fais. Ah ouais, tellement. Tellement. Moi, j'adore ça. Mais je suis natif de cette île, en fait. Fait que, ah ouais? Natif, je te dis. Okay. Mais je suis toujours en vrai, toutes les fois que je reviens sur la côte nord, tout ça, je sais pas. C'est spécial pour moi. C'est le fun de t'entendre jouer sur le pont. Oui, vraiment. As-tu vu l'eau, le son, comment il porte sur l'eau? C'est pas pareil que nulle part ailleurs, dans une salle, sur un stage. À date, là, c'est une autre affaire. Ça me fait plaisir de t'entendre. Éric a écrit une toune, m'a contacté pour... on est allé en studio dans le temps du confinement, mais qu'on pouvait être ensemble. Fait qu'on a tout fait ça... selon les règles de l'art. Comme on fait là aussi. Ouais. Là, on a... Cette chanson-là, elle revient un petit peu à une question que tu m'avais posée, qui était par rapport à la ville, la campagne, le bois, tout ça. Puis ce qui était le fun de ça, c'est que c'est un... Ce contraste. C'est un duo, en fait, gars-fille, mais qui se veut le gars de la ville, la fille du bois. Qui ont pas grand-chose en commun, mais que quand ils sont ensemble... Voilà. Puis, quand, par hasard, ils se rencontrent en dessous d'un pont. Le pont. Mais là, ce soir, vous allez être sur le roof d'un bateau. Tu sais, encore là. Ben ouais. Mais là, on va être à quai, le fun. Le seul public que vous allez avoir, c'est des bilgas, des goélands et les gens de bateau à l'entour. Les gens de bateau vont rester sur le bateau. Les gens de bateau aiment ça. C'est un show privilégié, là. Oui. Mais même elle veut un fuck tantôt. Ah oui, oui, il y en a plein. Parce que ça n'arrive pas à tous les jours. Non. Non, je pense que... On serait rendu au gin, sur le bateau. On va laisser le gin. En montant. On va prendre du gin. Oui. Ah oui. Ah non. On s'en va manger. On y va. Ah, c'est cool. 2, 3, 4. Oh.
demain.